Yon l'autre fois, bonjour à tout le monde. Merci pour fidélité nous avec l'équipe Bombard Media Now là, depuis Bombardopolis. C'est un plaisir pour nous rejoindre pour yon l'autre vidéo. Jodi à nous voulons présenter dernière information sur le travail avancement qu'a fait dans barrage Marion. Mais avant nous faire ça, équipe Bombard Media Now là, voulons remercier tout le monde qui toujours branché Bombard Media Now pour information pays. Et on gros remerciement avec ça, toujours qui ton commentaire pour nous, positif ou bien négatif. Ici dans Bombardopolis, équipe Bombard Media Now là, nous apprécions ça. Et si c'est première fois visiter nos informations, nous partager ou intéresser, pas oublier abonner avec Bombard Media Now et puis ouvrir chaîne notification, ça permet de faire partie équipe notification Bombard Media Now là. Mais avant de démarrer avec information, nous voulons remercier tout le monde qui toujours supporte channel là, nous apprécions et puis nous aimons recevoir commentaires. Avant de démarrer avec information, nous voulons présenter excuse-nous avec tout le monde qui toujours branché Bombard Media Now pour information pays. Dernière information nous partagée sur avancement travail, construction barrage hydroélectrique là dans Marion. Image pas trop claire, mais Koulia nous porter précision avec image pour nous capable présenter une image qui pique claire. Grâce à Télévision Nationale d'Haïti, nous capable joindre image qui pique claire pour nous capable partager ensemble avec. Eh bien nous pas perdre temps, n'a déroulé avec information yo. Anoué, ministre agriculture ressources naturelles et développement rural pays, Patrick Sever visité avancement travail, construction barrage hydroélectrique là dans Rivyè Maryon. Dans la localité Grand Bassin qui est dans la commune Terrier Rouge dans le département nord-est pays. Nous allons inviter suivre dernier image comment ça t'est, mais nous voulons faire qu'on ait exactement qui sac Marion. Construction barrage Marion avancée dans le département nord-est pays a redémarré après tout politique qui empêché travail là possible. C'est avec un pile effort administration président Jovenel Moïse là dans plusieurs autres domaines tant qu'on gérer bien de l'eau dans le pays a pour pas craser jardin moun nan tan la pli. Barrage ça qu'a fait sur Rivyè Maryon, c'est un barrage moderne qui pral bay pays à capacité pour gérer 20 millions mètres cubes d'eau avec un pompage qui pral fonctionner sous énergie solaire qui pral user 20 000 hectares. Barrage ça qu'a construit sur Rivyè Maryon, c'est un chantier qui est vraiment important pour nous ici dans Haïti parce qu'elle pral empêcher de l'eau touyer peuple là dans moment inondation yo et puis il pral permettre courant arriver dans localité yo. Grâce à travail ça, de l'eau potable pral disponible dans zone nan et puis situation électricité 24/24 là pral effectif dans zone qui environne barrage Marion tant que Terrier Rouge à Grand Bassin. Ces informations ça nous porter pour nous pas perdre le temps, n'a commencé coulier à dimanche après-midi. C'est pas dimanche matin, c'est pas samedi. Moi, à 5h de l'après-midi, on travaille toujours sur chantier. Ça veut dire nous décidons de travailler, nous décidons de faire mon travail. Parti barrage là, pratiquement, c'est celle qui a commencé qui est visité. C'est une déviation qui va prendre plus de temps pour le faire. Pratiquement, qui est important, c'est ce qu'on a fait là. Sur la rivière, je pense que si moins de 15 jours, ça a fini, il y a 40 pays. Je pense que c'est un bon bagage. Il y a pour des bateaux qui a commencé à monter ici là pour travailler dans la zone là parce qu'avant de travailler dans la mer on a droit non seulement penser pour tout l'équipe qui va servir là qui est là pour les poissons non seulement ça on va mettre une usine d'eau sous l'île pour pas monter grand bassin d'eau pour l'eau potable la petite système irrigation pour en bas en amont après tirer par le d'abord pour l'usure pour allouer des racines, on va le tracteur pour labourer et puis la planter. Donc, on va augmenter la quantité de manger qu'on peut planter. C'est des cultures assez importantes. 2 mois et 2 mois à Capon. Mais parallèlement, on a fait garder ça, on a fouillé des petits pailles, on a pris la riche, on a pris des petits, on a aussi fait ça, on a dépopulé. Dans la ville Port-de-Paix, techniciens travaux publics, transport, communication, à travail dans plusieurs zones. Dans la zone bas et station Gonaïve, à côte aviation, gain canal à drainage cap fait sur une longueur 1500 mètres. De façon pour protéger route avenue Trois-Rivières par rapport à dégâts de l'eau ça comme la cause. Le problème que nous avons essayé de résoudre dans le moment, c'est un problème de drainage qui n'a pas gagné sur avenue Trois-Rivières. C'est ça que fait chaque coup APC fait avenue Trois-Rivières et de l'eau depuis la pluie tombée, l'hypothèse tout élément, il levé, il crase route là. Donc le fait que nous pas un côté pour nous drainer de l'eau, nous obligés de faire des canaux transversaux qui pour faire un seul canal à le connecter à un canal mer. C'est canal mer ça qui a porté de l'eau qui pratiquement peut aller dans la mer et puis on l'autre partie n'a fait il va le déverser dans Trois-Rivières. Donc, Jean-Noël là, ça c'est un canal secondaire, c'est secondaire, canal secondaire 3. L'eau ça, que canal ça prend, la prend de l'eau qu'a fait par rapport avec peut-être caniveau ou bien fossé, nous vous reconnaissons, ça nous pourrait le faire dans l'avenue Trois-Rivières là. Parce que c'est selon le débit de l'eau qu'a gagné, on a connu si c'est caniveau pour nous faire ou bien si c'est fossé. Mais pour le moment, nous plus penché sur caniveau. Donc, la prend toute l'eau caniveau qu'a sorti dans environ bord 1.1 avec petit poste police là. OK, la prend toute l'eau ça et puis la ville mener vers le canal mer là. Nous prenons le canal secondaire dans la zone Cassave. Zone Cassave, c'est lui-même qui gagne plus gros de l'eau dans la zone là, selon ça mon yo dit. Donc nous faisons plus gros canal, nous avons notre transversale là et nous allons plus devant après. La pointe de l'eau à partir de l'ouest route là là. Dans ce caniveau, la potelle dans le canal mer là encore. Donc c'est pratiquement pas bien de l'eau qui a couru sur la 23 rivière là. Toute l'eau est pratiquement déversée dans le canal secondaire là, puis il y a le canal mer là, puis il y a le mer. Travail pas différent dans la zone La Belle Place. Il y a un godon qui compte un pile problème. Et puis pour aller, tout ça, dans la zone là possédé. Pour amélioration ou soit résoudre problème ça, un canal cap fait une façon pour bailler de l'eau côté pour le passer. Nous La Belle Place, c'est un projet qui fait débuter. Nous débuté 18 avril et ça fait nous pas plus avancer sur le projet parce que les zones là sont zones qui ont difficulté, gain de l'eau, gain glissement, chaque qu'on a fait fouille, nous rencontrons des cas. Et puis qui fait non pas avancer, plus rapide, et n'a traité cap et trimo patrimo, n'a traité et chaque 20 mètres linéaires nous fait obligé camper pour nous faire maçonnerie avant pour nous avancer plus loin. Nous gagnons un canal, n'a fait d'abord un radic qui est en bas canal là, 15 cm d'épaisseur et puis canal là gagnons déversoir. Si on suit dans la tête, on a un déversoir et puis on a un dalo qui a recevoir de l'eau dans le déversoir là et puis le canal ça a recevoir de l'eau dans le dalo. Il y a 418 mètres linéaires. Ça veut dire la privée juste en bas, la connectée à canal délégué. Dans déroulé, c'est film Ecosec qui a réalisé travail canal ça sous supervision TPTC. Une bonne partie de travail déjà réalisé d'après responsable qui a garanti à finir avec elle avant longtemps. Le canal, c'est un canal nous fait et qui a à peu près 500 mètres de longueur, qui a une largeur de 2,50 mètres. Et puis nous avons deux gravés que nous faisons pour accompagner le canal. Nous avons deux gravés qui ont une capacité presque 500 mètres cubes qui est capable de alluvion en attendant pour nous les gains gros de l'eau. Et nous pouvons passer en après pour nettoyer. Zone déroulée, nous avons souffert amèrement. Côté que l'eau ça a baillé en pile inondation et même créé des pertes en vie humaine. Maintenant, donc des conseils avec TPTC et qu'aussi a été jugé bon pour qu'il était intervenu. Donc travail ça, c'est un travail donc comme ingénieur qui est en sous-île environ de 500 mètres linéaires, donc il y a un canal de 2 mètres, de 2,50 m de largeur et composé tout des graveurs qui permettent nous qu'embé alluvion, qui permettent nous qu'embé alluvion et qui permettent tout une décantation qui fait côté que pour l'eau descendre avec moins de débris que possible. Donc on pense que c'est tout ça son travail du labé. Donc côté que Ecosia a dégagé un pile souci pour le fait. Si le travail ça yo a réalisé dans ville Port-de-Paix sous direction départementale TPTC Nord-Ouest. Responsable dit yo déterminé pour finir le travail yo. Voilà, et merci avec tout le monde qui était branché pour te capter dernières informations. En tout cas, tout le monde, merci parce que nous t'es branché. Pas oublier pour nous abonner avec chaîne et toujours songer pour activer la petite cloche là. Les nous lagons vidéo pour capable joindre nous, son pas besoin de chercher pour lui. D'accord? Eh bien, passons une agréable journée tout le monde, une agréable soirée si c'est matin. Bon matinée.